Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va aller. Bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être 100% naturel. Si vous buvez du thé à l'origan tous les jours, vous profiterez d'une bonne santé pour la vie. Sur cette chaîne YouTube au cœur du bien-être, nous enquêtons sur les meilleurs conseils santé, les meilleurs remèdes naturels faits maison pour votre bien-être. Donc, abonnez-vous et activez toutes vos notifications si ce n'est pas encore fait. Alors, mes amours, sans plus tarder, let's go! C'est venu comme un retour de flamme, je me suis retrouvé du mauvais côté. J'étais à fond, mais sans état d'âme, tu as joué, je n'ai rien capté. Bien que nous utilisons principalement de l'origan comme épice pour agrémenter nos plats, son utilisation sous forme de thé présente des avantages incroyables pour la santé. Avant de vous présenter la meilleure façon de le consommer, je vous donne quelques bonnes raisons de le consommer. Grâce à ses effets anti-inflammatoires et antimicrobiens, l'origan peut être utilisé contre les infections bactériennes et virales. L'origan offre une forte concentration de Cavacrol. C'est un composé étudié pour son efficacité dans la lutte contre diverses maladies. À cet effet, la recherche a confirmé que l'ingestion d'origan quotidienne sert à traiter les troubles des voies respiratoires tels que la toux sèche, l'asthme, les problèmes de mal de gorge, les problèmes de bronchite, le virus de la grippe ou du rhume, le cancer, la E. coli, le sinus et bien d'autres encore. L'origan renforce le système immunitaire car il possède l'une des cotes d'activité antioxydante les plus élevées, ce qui est excellent pour la neutralisation des radicaux libres. Ces antioxydants sont présents sous forme de flavonoïdes et d'acides phénoliques. Donc, la grande quantité de ces phytonutriments aide le corps à lutter contre diverses maladies et affections. En plus de réguler le cycle menstruel chez les femmes, il calme également les douleurs menstruelles. Il facilite le transit intestinal pour les personnes qui ont des problèmes de digestion lente. Il élimine les parasites intestinaux. Il favorise la santé cardiovasculaire. Il permet également de lutter contre la congestion nasale. L'infusion et l'huile d'origan sont les solutions naturelles contre la congestion qui affecte la santé respiratoire. Ces symptômes sont très fréquents en cas de grippe et de rhume. Pour ce qui est du mode de préparation, vous allez porter 3 litres d'eau à ébullition. Dès que l'eau a bouilli, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'origan séché ou bien l'équivalent frais. Donc, on va laisser couvrir, on va faire bouillir environ pour 5 minutes, juste le temps que les éléments s'infusent dans de l'eau. Une fois la boisson prête, vous pouvez rajouter du miel 100% naturel. Mais l'ajout du miel est vraiment optionnel. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Commentez si vous avez quelque chose à ajouter car votre avis est très important pour moi. Ça m'aide vraiment à améliorer mon travail. Partagez également cette vidéo au maximum sur vos réseaux sociaux favoris car elle pourra aider bien d'autres. D'ici là, prenez soin de vous. On va se prendre dans la prochaine vidéo comme d'habitude car vous savez déjà que nous partageons au minimum une vidéo chaque jour. Bisous, bisous. Bye bye.